Certains choix sont révélateurs. Alors, beurre ou ordinaire ? Bonjour, nous reviendrons sur la mort de Bruno Carrette tout à l'heure avec Jean-Luc Delarue. Il y aura aussi un spécial ce soir, nulle part ailleurs, à 19h30. Je vous dis tout de suite que si vous voulez adresser des témoignages de sympathie à la famille de Bruno et au nul, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du Minitel. Dès maintenant, sur le 3615 code CPLUS, 3615 code C+, à la rubrique ACT. Je vous le rappellerai plusieurs fois dans le courant de cette émission. Alors Jean-Luc Delarue, donc Bruno Carrette. Bruno Carrette, je vous le dis tout de suite ce soir, donc spécial nulle part ailleurs, à 19h30. Il y aura plusieurs rendez-vous, plusieurs émissions spéciales sur la chaîne durant cette semaine. Bruno est mort durant le week-end. Ses obsèques seront célébrées demain à Cagnes-sur-Mer. Il avait 33 ans, il est mort d'une maladie foudroyante qui s'appelle une leucoencéphalite. Qu'il avait le plus fort en tout cas, vraiment une maladie cruelle et insidieuse. Je peux vous dire que sa carrière professionnelle a démarré à l'âge de 18 ans après son baccalauréat. On ne saura jamais s'il l'a eu ou pas, en tout cas il a décroché un zéro en mathématiques, ce qui est un point d'orgueil pour tous ceux qui encensent les lettres et méprisent les chiffres. Pour tout cela, ce seront ses premières groupies, c'est son premier exploit de nul. Depuis dès 16 ans, il rêve de devenir animateur et c'est dans le rôle du Géo qu'il y fait ses premières armes dans cette école du rire. Il a été Géo au Club Méditerranée. Il a même créé un fan club de petites GM sur place qui sont aperçus que c'est un garçon qu'elles ont découvert aussi gentil hors de scène qu'il l'est sur scène, ce qui est une de ses qualités principales. Tous ceux qui l'ont connu diront que c'est un garçon qui est vraiment un sudiste au sens fort du terme, extrêmement gentil. J'ai eu l'occasion de le faire venir dans une émission de radio où il est de bon ton de critiquer les disques du top 50. Ça a été impossible de lui faire dire du mal de quoi que ce soit. En revanche, il n'arrêtait pas de déployer une grosse affection pour des gens comme Paul Naref, pour Cabrel, pour Elsa ou d'autres encore. Il a même accepté de jouer bénévolement dans un clip pour le groupe Psy, qui est un tout jeune groupe qui démarre, qui sera projeté en avant-première au festival Valrock. Je continue avec la carrière de Bruno. Ouais. En rentrant dans le midi, donc après ses exploits au club Méditerranée. Bruno donc doit se mettre au travail, donc il vend sans conviction quelques contrats d'assurance, c'est pas son truc, puis entre à Radio France. Un observateur mal avisé pourrait même croire qu'il est devenu sérieux, ce qui est une illusion d'optique, puisque quelques mois plus tard, Bruno et Chantal Lobby associés passent ensemble un concours d'entrée à FR3 Côte d'Azur. C'est là où ils sont remarqués par la direction de Canal+. Par l'œil de Pierre Lescure, qui était à l'époque donc directeur d'antenne à Radio Monte Carlo, qui les engage. L'émission s'appelait Bzzz. Bzzz. C'est ça. Ensuite, c'est la grande marche vers le nord. Il débarque à Canal+. Il rencontre bien sûr Dominique Farrugia et Alain Chabat. C'est aussi à ce moment-là qu'il décide de créer le premier feuilleton intergalactique, la première Nul Stouch, un feuilleton à la mesure d'Indiana Jones avec leur genre à eux. Carrette, il crée le rôle de Zetoun. Vous vous souvenez, Michel, vous avez même joué avec lui. Le cuisinier Noirpied avec l'accent de Labadie qui parle avec amour de chouchouka, de beignets, de macroute et de couscous boulettes, mais qui ne cuisine que des moukrennes aux glavius, ce qui est un truc aussi imprononçable qu'immangeable. Objectif enfoncé, vous saurez qu'ils ont ramassé un set d'or. C'est ensuite le JTN, 19h58, chaque jour, les autres journaux tremblent légèrement. Bonjour, je suis Alain Chabat, bonjour, je suis Chantal Lobby, bonjour, je suis enrhumé. Il y crée aussi le personnage de Mizou Mizou, qui est un pétomane, en redingote rouge et haute forme, façon Monsieur Loyal, qui fait reconnaître aux spectateurs des tubes du top 50. La musique est un cri qui vient du postérieur, une phrase qui prendra toute sa saveur à l'époque. Il interprète aussi Jean Mérand, qui est personnage d'un autre monde, mais de la rive gauche, qui aura, paraît-il, le bonheur et l'immense privilège de faire sourire Jean Ferrat et Léo Ferré, ce qui n'était jamais arrivé depuis leur naissance. Suit ensuite TVN 595, donc la grande ronde des speakerines, où là, Bruno Carrette crée le rôle de Monsieur Navrant, Pascal Navrant, qui a rendu en vedette nationale Monsieur Tintin, qui depuis est devenu aussi célèbre que Pascal Navrant. On va regarder peut-être quelques extraits, vous en verrez beaucoup dans Nulle part ailleurs ce soir. Je vais chanter une nouvelle chanson que j'ai écrite à l'occasion, qui s'appelle « Dans les rizières de Saïgon ». Ouais. Bon, monsieur Mérand, elle n'est pas trop longue quand même. Elle est très courte. Ah. A cappella, Jean Mérand, artisan au service de la chanson française. Dans les rizières de Saïgon, on bouffait du riz cantonais. Et puis soudain, elles ont chargé les GI. Et toi, Taifong, tu es tombé. Taifong. Ah, je vois que ça n'a pas changé. Canal plus de Dragon. Gildas, vous êtes un pourri. Canal plus de pourri. T'as vu les fusils de mer? Ouais. Attention.
Viens, je tourne dans le film. Viens, je tourne dans le film. Voilà, donc ce soir dans Zénith, il y aura en particulier Béatrice Dalle. Vous savez que Béatrice Dalle est aux États-Unis pour la présentation de Betty Blue. C'était le film de Ben X, 37 le matin, qui a été... On veut me censurer, hein? Ah, mais on va m'entendre. On veut m'empêcher de parler. On veut m'empêcher de dire. Zetoun réussira-t-il à regagner le vaisseau? Vous le saurez dans le prochain épisode intitulé « Toujours en or ». Voilà, Bruno Carrette, acteur. Il a joué dans un film de Louis Malle qui sortira au mois de janvier. Et il avait joué auparavant dans un film qui est maintenant en cassette. Avec, voilà, donc, film de Louis Malle avec Miu Miu, Michel Piccoli. Donc sorti le 24 janvier, Michel Duchaussois. Il avait joué dans un film de Gérard Jugnot aussi. Il s'appelle Sans peur et sans reproche, qu'on peut trouver d'ores et déjà en cassette vidéo, où il avait accepté seulement de faire un tout petit rôle pour cause d'occupation télévisée. Ce soir, bien sûr, émission spéciale, vous l'avez dit Michel tout à l'heure, sur Canal+, à 19h20. Et pour finir, je voudrais dire qu'après Luron, Coluche et des proches, l'expression « mort de rire » prend encore une autre signification. J'ai lu dans la presse ce matin qu'on parlait de profession à risque, comique, plus dangereux cascadeur. Pour moi et pour l'ensemble de l'équipe de l'émission, je crois que ça restera l'information la plus nulle du week-end. Voilà, et vous pouvez donc adresser vos messages à la famille de Bruno Carrette et à l'équipe des Nuls sur le Minitel en particulier. Vous pouvez aussi écrire, faire tout ce que vous voulez. 3615, code CPLUS, rubrique ACT. Dans un instant, on reprend le cours de l'émission normale avec Martine Mollet. On les offre d'emploi.